Dans le dernier épisode de Phoenix Wright, Ace Attorney, nous avons essayé de trouver une contradiction dans le témoignage d'Eva causé souci, la témoin invoquée par Monsieur Van Carver. Malheureusement, on n'y arrive pas et on est sur le point d'être enlevé pour outrage à la cour. Va-t-on donc être expulsé ? La réponse tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était Jeff. Et on retrouve pour notre 38e épisode du Let's Play de Phoenix Wright, Ace Attorney. Et justement, Monsieur Van Karma nous disait que c'était... qu'il n'y avait qu'une seule possibilité que le procès se termine par un verdict coupable, n'est-ce pas, Monsieur Phoenix Wright? Et on va répondre faux. Tout simplement parce que Eva causait des soucis a dit, pendant que Maya commençait à gueuler auprès des gens, que justement il avait vu Hunter. Sauf que, attention, regardez la photo, à nouveau. Si la photo a vu ça, comment, je vous le dis, comment se fait-il que justement Eva causé souci ait vu Hunter dans les deux tiroirs là? Comment il a pu? Même avec des jumelles, c'est un peu compliqué. Vu le brouillard, là. Donc, à la réponse, n'est-ce pas, Monsieur Phoenix Wright? Vous allez répondre faux. C'est faux! Quoi? Avez-vous entendu ce que vient de dire Mademoiselle Causé Souci? Elle a dit qu'elle avait vu distinctement Monsieur Hunter. Ce n'était pas dans son témoignage. Cela modifie son témoignage et j'ai le droit de refaire le contre-interrogatoire. Silence. Vous avez commis un outrage à la cour. Il est trop tard pour avancer n'importe quoi. Juge, accordez mon objection. Je suis désolé, Monsieur Van Karma, mais je ne peux pas. Quoi? Mademoiselle Eva Causé Souci a fait une nouvelle déclaration. La défense a le droit de l'interroger à nouveau. Mais il s'est rendu coupable d'outrage à la cour, hein? Non, c'est moi! Si vous voulez devoir arrêter quelqu'un, arrêtez-moi! Très bien. Maya fait. Je vous ordonne de quitter la salle d'audience sur le champ. J'ai fait tout ce que j'ai pu. À toi de faire le reste. Bonne chance. Maya. Et Maya est partie. Elle a été emmenée par les gardes. Hein? Je n'ai rien à faire de ce mélodrame. Écoutez-moi bien, Monsieur Wright. Je ne déroulerai pas que vous harceliez mes témoins. Je perds du temps. Je ferai mieux de trouver une contradiction sinon. Monsieur Wright, commencez votre contre-interrogatoire. Votre dernière déclaration. Je l'ai vu comme je vous vois, un peu cher, hein, l'homme sur la barre qui était Monsieur Hunter. Et c'est tout ce qu'elle dit. Donc, sur ce, on va présenter la photo. Puisque la photo, comme vous voyez, comment veux-tu qu'il voyait Monsieur Hunter? Attention, on y va. Objection! Je vous tiens, Mademoiselle Causé Souci. Enfin! Comment ça, vous me tenez? Regardez cette photo. La photo que j'ai prise? Celle-là même. Je veux vous montrer quelque chose sur cette photo. C'était clairement visible. Le brouillard, mademoiselle, cause des soucis. Eh oui, alors? Cette photo a été prise avec la pellicule de très haute qualité, n'est-ce pas? Mais malgré tout, les visages des hommes sur le barque ne peuvent être distingués. Et pourtant, vous affirmez avoir vu Monsieur Hunter. Comment? Quoi? Monsieur Wright a raison. C'est pour ça que je lui ai dit de ne pas dire ça devant dans cette déposition. Mais maintenant, elle l'a dit, Monsieur Van Karma. Comment auriez-vous pu voir Monsieur Hunter? Expliquez-vous. Mademoiselle Causé Souci. Quoi?
avez-vous pu distinguer la récusée cette nuit-là? Bien sûr, si je l'ai dit, pas cher, c'est que c'est vrai. Dans ce cas, veuillez nous expliquer les circonstances, je vous prie. J'ai réussi. J'ai enfin trouvé une faille dans cette vague disposition dictée par Monsieur Van Karma. Deuxième disposition. Hunter a été vu. Eh ben, il faisait froid, il y avait un brouillard à couper au couteau. Mais une fois mon appareil photo réglé, ouais, je suis vite rentré dans ma voiture. Mais j'avais pris mes jumelles avec moi. Quand j'ai entendu le bruit sur le lac, je suis regardé avec mes jumelles. On va l'envoyer, hein, pas de problème. Oui et non. Vous avez utilisé des jumelles. Très bien. Vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire, Monsieur Wright. J'ai intérêt de m'appliquer. Contre-interrogatoire, Hunter a été vu. Eh ben, il faisait froid, il y avait un brouillard à couper au couteau. Alors, une fois mon appareil photo réglé, ouais, je suis remonté dans ma voiture. Puis j'avais pris mes jumelles avec moi. Quand j'ai entendu mon bruit sur le lac, j'ai regardé avec mes jumelles. Là, on va attaquer là. S'il y avait un brouillard épais, qu'est-ce que les jumelles auraient pu changer? Qu'est-ce que vous voulez dire, hein? Même avec des jumelles, on voit pas à travers le brouillard. Mais vous avez aimé l'avoir distinctement vu? Ouais. Assez, ce témoignage ne laisse pas aucune place au doute. Moi, au contraire, je trouve très douteux. Mais je dois d'abord trouver une correction évidente. Peu importe le nombre d'objections non karmesques que je me prends. Je vais trouver une faille dans cette déposition, j'en fais les serments. Donc, d'après ce que j'ai compris, il faut attaquer à cet endroit-là. Parce qu'il y a une faille. Faudra présenter une affaire là. Alors, comment avez-vous pu voir Hunter? Oh bonne mère, calmez-vous un petit peu. Allez pas, Ego, jamais vous trouverez une fille comme moi. Les avocats de la défense ont du mal à trouver une fille tout court, en fait. Eh, monsieur le juge, vous êtes vieux. Votre femme. Qu'est-ce que vous dites, votre femme? Personne ne m'aime. Alors, une fois mon appareil photo réglé, ouais, je suis arrivé vite rentré dans ma voiture. Ok. Votre appareil photo? Eh ben ouais, il est automatique. Votre préoccupation actuelle est de savoir comment baser le conseil associé à vous, monsieur Hunter. L'appareil photo n'a rien à voir avec cela. Objection accordée. Arg, il ne me laisse pas le temps de répondre à aucune de mes questions. J'ai pris mes jumelles avec moi. Des jumelles? Eh ben ouais, des jumelles. Hier, vous avez déclaré, vous savez, des étoiles filantes, exact. Eh ben ouais. N'auriez-vous pas plutôt besoin d'un télescope et non d'une jumelle pour ça? J'admets également quelques doutes contre votre appareil photo. Son but était-il vraiment de prendre des photos de pluie de météorites? L'appareil photo n'a rien à voir avec cette affaire. Vous pouvez pas dire ça en certain. Oh, monsieur Wright, l'appareil photo a-t-il vraiment un rapport avec cette affaire? Si vous pensez que oui, vous pouvez continuer votre lancée. Mais sachez ceci, si vous ne trouvez pas rien, vous en subirez les conséquences. Alors, monsieur Wright, voulez-vous continuer à proposer des questions au sujet de l'appareil photo? J'insiste. Maintenant, ça passe ou ça casse. L'appareil photo est de la plus haute importance, votre honneur. C'est peut-être la clé de toute cette affaire. Par conséquent, je choisis de poursuivre. Waouh, je suis peut-être allé un peu loin. Très bien. Mais avec ces soucis, je vous demande de témoigner au sujet de votre appareil photo. Ouais, j'ai pigé. L'appareil était réglé pour prendre des photos d'une pluie météorite. Sauf que... L'appareil photo d'Eva est réglé pour prendre une photo dès qu'un grand bruit est détecté. Orienté. Le ciel, c'est là-haut. C'est pas en face. Puisqu'il est orienté vers le lac. Vers ce fucking lac. Et donc, on va commencer à appuyer sur présenter et objection! Vous preniez des photos d'étoiles filantes, vous mentez!
ça. J'ai vu l'appareil photo que vous aviez réglé hier. Il était orienté directement vers le lac. Un modèle connu ceci pour photographier des étoiles. L'appareil doit être sur le ciel. Ouch. Wow. Monsieur Wright, où voulez-vous en venir? Le témoin ne trouvait pas ne se trouvait pas au lac pour photographier des étoiles, monsieur Honneur. Eh bien alors, que prenait-elle en photo, juste? Votre honneur, veuillez examiner ceci. Qu'est-ce que mademoiselle Cossy essayait de prendre en photo du lac? Un gourdi, évidemment. Puisque, vous voyez le gourdi. Regardez. On peut pas le lire. Attendez. On peut pas le lire. Ça qui m'énerve, c'est que. On voit la photo, mais on peut pas le lire. Et c'est ça, parce que regardez. Il n'est pas écrit, mais en fait, gourdi est apparu avec un bruit sourd. Donc voilà. Prends ça. Au moins des connaissances aussi. Voici ce que vous tentiez de prendre en photo. Qu'est-ce que c'est? Un article de presse? Gourdi? Ah, le monstre du lac Gour. Alors, maman, c'est le côté souci? J'ai jamais entendu le monstre sur le lac. Vous avez une preuve d'abord? Et c'est qui de trouver que j'étais sur le lac pour prendre ce gourdi en photo? La même chose? En fait, je n'ai pas de preuve. Objection, votre compétence était réticente, monsieur Wright. Mais c'est trop. J'en ai entendu atteler vos hypothèses sans moindre fondement. J'appuie en fait, j'ai une preuve, mais le problème c'est que. Pourquoi en fait? Pourtant j'ai une preuve. Pourquoi il me dit. Ok. Ah d'accord, si vous le prenez sur ce ton, voici la preuve. Monsieur Wright, êtes-vous bien sûr de vous? J'en ai assez de cet avocat Lèche-Botte qui me rabaisse tout le temps. Ou alors, il essaie de se moquer de moi pour me pousser à la faute. Très bien, montrez-moi ça. Et cette fois-ci, pas de blague, s'il vous plaît. Voici la preuve que le témoin essaie de prendre photo de Gourdi, le monstre du lac. La preuve, on m'a écouté les soucis, est votre propre appareil photo. Ah, votre propre appareil photo. Votre appareil était réglé pour prendre une photo en cas de grand bruit exact. D'où cette photo, prise au moment de la détonation sur le lac. Et ici, cet article sur Gourdi. Selon cet article, un grand bruit a été entendu au moment où Gourdi a émergé. Alors, vous tentez de photographier Gourdi, avouez. C'est pour ça que votre appareil était réglé pour réagir à des grands bruits. Silence. Je vois. Moi aussi, j'ai trouvé ça un peu étrange. Bah voyons. Alors, mademoiselle, causez souci. Vous campiez là, vous essayez de prendre une photo de Gourdi, n'est-ce pas? Eh ben ouais, pas mal. Eh ben les avocats, ils sont tous aussi futés que ça. Oui monsieur, je sais tout, j'essayais de prendre Gourdi en photo bien vue. Et alors? Hein? Ça change rien de ce que j'ai vu, si? Exactement! Vous venez de gaspiller les minutes de votre précieux temps pour prouver. Le témoin est assez stupide pour croire aux histoires de monstres. Eh, hey, mais. Et vous? Comme c'est si bien dit. Et alors? Ça ne change rien. C'est faux. Pour une raison ou pour une autre, vous voulez pas qu'on parle de Gourdi. Je le sais. Et pourquoi? Peu importe. Je le découvrirai. Mademoiselle Cossy Souci, pourquoi avez-vous caché à la cour le fait que vous cherchez Gourdi? Veuillez modifier votre témoignage. Bon, ok, je vais témoigner. Mais ça change rien de toute façon, pas cher. Quelque chose va changer, je le faut. D'accord, non. Quelque chose va changer, il le faut. Et je vais trouver quoi? Déposition du témoin, nouvelle déposition d'Eva. En fait, je suis pas étudiante et je fais pas de recherche sur la fac. Je suis photographe d'investigation. Ouais, imaginez le scoop si je réussissais à prendre une photo de ce monstre. C'est pour ça que je campais près du lac. C'était tout ce que j'ai poussé caché, hein. Quand j'ai entendu le bang, j'ai tout de suite regardé vers le lac. Il n'y avait pas grand chose à voir, alors j'allais passer mon temps à observer cette barque.
Puis j'ai vu un flash près de ce type, près de la main de un de ce type, et un autre, il y a eu un autre coup de feu. Je n'ai pas quitté la barque des yeux, promis juré, hein, si je la mange, je vais en enfer. Et bah tu vas aller en enfer. Parce qu'elle a encore menti. Puisque... Oui. S'il y avait un truc sur le lac, j'aurais toujours regardé Gourdi en premier. D'accord. Et voilà. Bon, monsieur Wright, vous pouvez procéder à votre contre-interrogatoire. Objection. La déposition des témoins n'a pas changé. Qu'elle soit étudiante ou photographe, n'a aucune incidence sur cette affaire. Pas la peine de perdre plus de temps avec un autre contre-interrogatoire inutile. Je revendique le droit de la défense d'interroger le témoin, votre honneur. Votre car m'annonce quelque chose, je le sens. Il ne veut pas que j'interroge car. Pourquoi ? Y a-t-il une contradiction ? Très bien, vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire. Vous semblez sûr de vous ? Vous devez avoir quelque chose en tête. Ah ! Ce serait bien la première fois. Très drôle. Vous comprenez que c'est votre dernière chance, monsieur Wright. Si la disposition n'est présente aucune fois cette fois-ci, le témoin pourra partir. Je prononcerai alors le verdict, monsieur Wright. Compris ? Oui, votre honneur. Le contre-interrogatoire, le dernier. Et on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour la suite de ce Let's Play de Phoenix Wright, épisode 39. Épisode 39. J'espère que ça vous aura plu. C'était GF, stay tuned. Robert Hammond. Since you last saw him, about how many years would you say have passed? Did you say... past. What? No! Well, I mean, yes, technically, but... Like the scent of fresh lemons, the days of my...